Demain nous appartient, spoiler, Camille démasqué, Chloé risque gros sur TF1. Raphaël s'accuse du meurtre de Stanislas sur TF1. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Martin, Franck Monsigny, doute de la version avancée par Raphaël, Jennifer Lauret. L'avocate s'est accusée du meurtre de Stanislas, Yannick Laurent. Le commandant constant orchestre une reconstitution. Raphaël explique que Stanislas a tenté de l'étrangler. Afin de faire peur à Stanislas, Chloé, Ingrid de Chauvin, s'est munie d'un couteau de cuisine. Raphaël s'en est emparé et un duel s'est ouvert avec le skipper. Stanislas en est ressorti blessé. Raphaël avoue avoir jeté le set de couteaux dans le port de set. Chloé assure à Martin qu'elle a avant tout cherché à protéger son ami. Karim, Sami Garbi, se charge d'annoncer à Alex, Alexandre Brasseur, que Raphaël s'est dénoncé. Vu qu'elle était présente sur les lieux du drame, Chloé risque gros. Elle a de fortes chances d'être poursuivie pour entrave à la justice et complicité de meurtre. Au commissariat, la reconstitution a laissé Martin perplexe. Martin suspecte Camille dans demain nous appartient. Martin se rend à l'hôpital pour confronter Camille, Elisa et Zedine, à la version de Raphaël. C'est alors qu'il est intrigué par une blessure de l'adolescente à la main. Camille assure qu'elle s'est blessée avec un morceau de verre après avoir été projetée par Stanislas sur la table basse. Martin charge Damien, Adrien Robe d'examiner les plaies en présence d'un médecin. Sébastien, Xavier de Lugue, s'en offusque. Sébastien indique que Camille est fatiguée et affectée par les récents événements. Martin ne s'en laisse pas démonter. Il menace de le poursuivre pour obstruction. Damien se charge d'examiner la main de Camille. Pour lui, la blessure est due à une lame de couteau. C'est la preuve qu'elle a poignardé Stanislas. Acculé. Camille finira par avouer comment elle a tué le skipper.